Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Yeah. Alors, si cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyang's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go, professionnels à tous. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang's Reborn. Il pleut ici, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, toujours chez nous. Yeah! Si vous êtes chaud, priez et sautez un peu. Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu! Parce que chez nous, nous sommes toujours chauds. Let's go! 30 histoires mystérieuses à résoudre sur Nyang's Reborn. Ceci est la troisième vidéo, la troisième partie, autrement dit, histoire 3. Ok, ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, vous allez résoudre cette énigme. Ok, c'est parti. Quelle est l'histoire? Voici l'histoire. C'est l'histoire d'un bateau. Un bateau qui a sombré dans la terre. Bon, ok. Un bateau qui est tombé dans l'eau, qui s'est effondré, qui a percuté un iceberg et qui a carrément coulé. De quel bateau s'agit-il? C'est un bateau légendaire, il s'agit tout simplement du Titanic. Mais il y a quelque chose d'intrigant, quelque chose de vraiment étrange qui s'est passé. De quoi s'agit-il? Nous allons vous le dire aujourd'hui. C'est que la chose est que 15 ans avant que cela arrive, il y a un romancier ou un auteur de roman qui a écrit une histoire très similaire de celle du Titanic. Et dans cette histoire, il était aussi question du Titanic, bien entendu, et les caractéristiques qu'il a données correspondent nettement et clairement à ce du Titanic. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand nous avons regardé la vidéo hier ou encore le documentaire, tout portait à croire que ce monsieur avait prédit ou annoncé l'avènement de cette catastrophe. Franchement, c'était tout simplement étonnant. Et quand on lui a posé la question plus tard de savoir, mais comment fais-tu pour faire écrire tes romans, vous savez ce qu'il a dit? Il a tout simplement révélé quelque chose de troublant qui va même nous permettre de comprendre ce qui s'est passé ou encore comment il fait pour écrire cette histoire ou encore qu'est-ce qu'il inspirait ou encore qu'est-ce qui était à l'origine de cela. Il nous a tout simplement dit, quand on lui a posé la question de savoir mais comment fais-tu pour écrire tous tes romans, il a tout simplement dit que, s'il vous plaît, tenez-vous bien. Il dit qu'il écrit sous l'emprise d'un partenaire astral. Oh! Mais ça veut dire quoi? Il dit qu'il écrit sous l'emprise d'un partenaire astral. Mes frères et sœurs, c'est quoi un voyage astral? Un voyage astral, c'est le voyage que fait tous les sorciers ou encore tous les satanistes. C'est-à-dire le sorcier, il sort carrément de son corps et il va dans un autre monde pour communiquer avec des gens là-bas qui ne sont pas des humains, ce sont des esprits, même des démons ou d'autres sorciers comme lui. Mais dans ce cas-là, le partenaire astral dont ce sorcier-là parle ici, mes frères et sœurs, n'est pas loin. Ce partenaire-là n'est pas loin d'être Satan, Lucifer lui-même.
parce qu'on parle des pactes avec le diable. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas informé. C'est la même histoire. Ce qui veut dire, sans risque de se tromper, que ce partenaire astral dont il est en train de parler là, qui lui a révélé cette histoire du Titanic. Waouh, c'est le diable. Donc le diable lui a donné la révélation d'un bateau géant qui allait être construit des années plus tard, qui allait s'effondrer. Incroyable, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Et ces genres de choses ne sont pas nouvelles. Même il y a des personnes qui se sont confessées pour dire que avant d'écrire leurs œuvres, avant d'écrire leur musique ou les paroles de la musique, il faut qu'ils s'endorment profondément. Après, ils vont se retrouver dans un autre monde. Et là-bas, ils seront en contact, en communication avec des esprits qui vont même les livrer des secrets ou encore des paroles de leurs chansons ou encore l'inspiration pour pouvoir écrire leur œuvre ou leur livre ou même eux-mêmes. Ils écrivent clairement ce livre. Tout simplement. C'est incroyable. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Mais ces choses sont réelles. Ça veut dire que cette histoire du Titanic et ce bateau qui s'est effondré, c'est quelque chose qui a été préparé à l'avance des gens qui sont dans le monde des ténèbres, peut-être même des sorciers ou encore des satanistes. Ils sont bien informés, ou du moins ils étaient bien informés que ces choses allaient se produire. Ça veut dire que eux, ils le savaient d'avance et ils observaient la chose. Si on veut aussi ça, c'est ce que ça laisse croire. Ou bien, voyez-vous, quelqu'un qui a prédit 15 ans avant l'arrivée du naufrage Titanic. Mes frères et sœurs, vous devez savoir qu'il y a quelque chose de grave qui se passe autour. Et c'est sans doute la chose qui va venir nous éclaircir ou encore permettre de comprendre cette histoire du naufrage du Titanic. C'est vraiment incroyable. Je pense que ces éléments nous permettent facilement de comprendre pourquoi ce roman de ce monsieur ou encore les descriptions de ce monsieur ou encore les descriptions qu'il a faites de son bateau correspondent net et clair à celle du Titanic. C'est incroyable. C'est pas étonnant. Dieu, il donne des révélations. Le diable aussi, il a l'œil, il voit. Il a une vision de loin. Il peut révéler des choses à venir. Ce n'est pas étonnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était tout simplement le mystère 3. Nous allons maintenant passer à la prochaine vidéo où nous allons tout simplement essayer de comprendre le mystère chapitre 4. Alors, abonnez-vous et vous serez de quel mystère, quel sera le prochain mystère. Ça va sans doute vous être utile, ça va sans doute vous étonner. Soyez prêts, ça va être chaud. Merci, bonne. Que Dieu vous bénisse. Wow, excellent. Oh, excusez-moi. Avant de terminer, nous tenons à vous dire que le lundi prochain, il y aura un témoignage très puissant qui va venir. Soyez prêts. Merci, mes frères et sœurs.